Allez, on se retrouve pour F1 2002 sur PS2. Tout simplement. Donc nous sommes le dimanche 7 novembre, il est 16h48. Je fais ça avant le Grand Prix du Mexique, comme ça c'est réglé. Une saison complète. Donc là, au moment où vous verrez ces vidéos, on sera sûrement fin novembre pour le coup. Créer un nouveau profil, s'il vous plaît, si vous voulez, si vous voulez. Peu importe. Un peu loin là quand même, hein. Putain, c'est long, qu'est-ce qui se passe? Oh la vache! Ouais, bon, l'intro est pas ouf quand même. J'espère que le jeu sera mieux. Alors je mets direct en 10%. Sauvegarde. Ça a été vite. J'imagine que c'est là qu'on change. Spectateur, on peut se mettre en spectateur. Quel intérêt. C'est étonnant. Ah oui, alors il n'y avait plus Aquilaine en 2002, donc je vais prendre notre gars. On va changer un peu d'écurie. Juan Pablo. Et je reprendrai prochain que je ferai, ce sera 2005. Je reprendrai Montoya aussi. Chez McLaren, du coup. Ça va être sympa. Bon, j'espère que la conduite est bien, là, par contre. Hein. Bon, les intros, bon, on va pas se taper ça à chaque fois. Point pilote, tata, tata, voir le circuit, S1. Alors, il n'y avait pas d'option sur la météo, par contre. Donc, je ne sais pas comment on la règle. J'espère que ce ne sera pas que du soleil. Ce serait dommage. Bon, pour la première, je laisse l'intro et FIA, évidemment. Magnifique. Allez, en piste, là. J'espère que la conduite est meilleure que le 2001. Une fois encore, bienvenue au Grand Prix Pierre Van d'Australie Vliet, le 2002 à retour. Melbourne. La course va commencer et les tribunes sont On remplies dirait que de c'est en supporters. 60 FPS aussi.
comme en 2001. Ça avait provoqué un mal de mer, laisse tomber quoi. Alors. Voilà, je crains le pire pour la conduite. Oh, les vues sont pas trop dégueu. Oh! Oh, il y a les flèches comme le rallye. Bon, la conduite est pas dégueu, dégueu, ça va. Wow! Par contre, la voiture tombe beaucoup quand on tourne, quand même assez étonnant. Très étonnant. Bon, les IA sont pas très fortes, hein, quand même, il faut le dire. C'est incroyable la différence. La remontada de Montoya. Bon, l'air c'est pas très pénalisant. Hein. J'ai juste baissé le son parce que ça me gueule dans les oreilles, j'aime pas ça. Ah, t'es commandé là-bas, merde, faut se lever, terrible. Par contre, j'ai l'impression que les courses vont être assez longues. Sauf si je quitte à chaque fois, mais bon, sauvegarder la partie. Quelle heure il est là? Est-ce que j'ai le temps? Oh, ça va, il est même pas 17h. Ah, on s'entend mieux. Oh là là, mais par contre, la voiture, elle fait des moves bizarres, hein, quand même. Hein. Oh là là. J'ai pas de vue arrière, ça fait chier, ça aussi. C'est quoi la vue arrière, sérieux? J'ai pas de vue arrière. Wow, 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 je me fais dépasser, là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, attends, je vais les éclater, je crois. Oh là là, ah, c'est pas mal les dégâts, ça va. Hein. Putain de Renault là. Bon allez, ça suffit. J'abandonne pour Melbourne. Mais bon, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Pour l'instant, c'est mieux que 2001, hein, largement. Et même que 2000 aussi. Je dirais pas que c'est mieux que le 99 que j'ai vu sur PS2 aussi. Mais on n'est pas trop mal, ça va. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Reste à voir maintenant si il y aura de la pluie. Pour les saisons à venir. Enfin, pour les courses à venir. Par contre, petit bémol quand même, les temps de chargement. Hein. Très très long. Hein. C'est dommage. Alors, point pilote. Voilà, ça c'est bien. Voilà, beau classement. Eh, bravo, franchement, ils ont géré là. C'est bien foutu ça. Point pilote, point constructeur. C'est beau, hein? J'aime bien, là. Tu vois exactement quelle course a été faite, enfin, combien de points ils ont marqué à chaque course. Tu regardes le nombre de courses qui restent, etc. C'est bien fait. Franchement, bravo. Maintenant, on passe à la suite. Allez. Il y avait 4 séances d'essai, putain. Quelle horreur. Incroyable.